Nouvelle vidéo dans Hitman 2, de retour à Miami pour de nouvelles intrigues. Donc côté intrigue, nous en avons réalisé 4 pour le moment. Là, on va s'attaquer à une machine parfaite. Côté préparation. Alors, on va commencer directement en mascotte dans les stands. On peut espérer que, vu l'intrigue, ça va nous aider. Équipons-nous. Pièce de monnaie, crochet. Pistolet. C'est parti. For newcomers to endurance racing, let me remind you that this is different from Grand Prix in that it's all about which on est beau en flamant rose. Fuel efficiency and reliability. Voilà, on arrête de faire l'andouille. C'est parti. How much time remaining? Don't worry. Ah, effectivement, on n'est pas loin. How much time remaining? Listen, Miller, I don't care about your problems, all right? I made it clear this morning that if things didn't change, I'd be off the Kronstadt team. Half an hour later, I have to listen to Knox berate my skill when I panic because the road cage interferes with the radio signals from Sierra's suit. No more. I'm done. I know you're a man short now, and no, I don't give a rat's ass about it. You double my salary for the entire week, and I'll come back in case Sierra decides to use that last pit stop. Mm-hmm. Well, if you decide otherwise, I'll be down by the paddock. Best of luck, Grace. One of the Kronstadt pit crew has quit the team in protest, and Grace Miller, the ballbuster chief mechanic, is in critical need of a replacement. Why don't you step in and offer your services, 47? You're good with a wrench. Donc une machine parfaite, une place dans l'équipe des stands de Kronstadt. Ça ressemble à une invitation au méfait. Un des mécaniciens de Kronstadt a soudainement quitté l'équipe en tout protestant et grâce Miller. L'intransigeance Jeff mécanicienne a désespérément besoin d'un remplaçant. Pourquoi ne pas proposer vos services 47? Vous êtes plutôt doué avec vos mains. Déguisez-vous en mécanicien. Alors là, dans le premier run, il n'avait pas décroché son téléphone et j'ai dû relancer. Donc ça vous arrive également. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans les toilettes. Il va sortir la rose. Box. Trouver le garage du centre Kronstadt. Super, le monde qui vous reconnaît. De l'équipe qui peut me... Trouver une clé à chaque pneumatique. La clé à molette, indispensable. Qu'est-ce qu'on a là? Propulseur d'octane Kronstadt. Je sais pas si ça ressemble pas à ce qu'il y a dans le... Dans l'espèce de musée là où il y a les aquariums. C'est bien fichu leur truc. Marteau. Qu'est-ce qu'on a ici? Mémo de sécurité dans le stand. Un mémo écrit par Grace Miller, chef mécanicienne pour Kronstadt. Elle y évoque des tentatives de sabotage par les autres équipes. Ça, c'est pas cool. Elle demande à tout le monde de vérifier l'éventuelle présence d'objets suspects dans le garage. Si quelqu'un repère le moindre problème avec les pneus ou la réserve de carburant, elle doit être avertie sur le champ. Elle insiste aussi sur le fait que tous les membres présents doivent porter leur uniforme et garder leurs outils avec eux en permanence. Ça va pas forcément m'aider pour mes méfaits, ça. Carte. Ah.
Encore une clé. Ah. Oh, je l'écraserai bien sous la voiture. Ça m'emmerde un peu. Parler au chef mécanicien. Ah, ça va, il pouvait pas me... Ah, intrigue à Miami. Ah, j'ai terminé toutes les intrigues. Chance parfait. Ah, c'est elle, la chef. Excellent 47. And now for a bit of maintenance. Certainement un exploit. Intrigue à Miami terminée, les trois défis intrigue. Et là, déguisez-vous en mécanicien de Kronstadt et gérez l'arrêt au stand. Suppose I am. Great, this is your lucky day. Do well and there's a bonus in it. Got it? Got it. All right, everyone, look alive and get to your stations. Sierra may come in for a last minute pit stop and I need you ready and able. You, rookie, get into position. Grab your preferred tool and be prepared. Today's your day to shine. Let's do this. Imagine an invisible bubble around me, a bubble that makes me feel safe and comfortable. You're in that bubble right now, and I didn't invite you. Okay, this is not good. But let's see where it leads to. She knows what she's doing. I'm sliding a little in the turns here, guys. I told you these tires were not gonna cut it. Arrêt là au stand. Verser du sucre dans le réservoir. Installer des explosifs. Desserrer un pneu. C'est fort. Très fort. Target down. Next up, Robert Marks. Oh, on était vilain. La roue du malheur. Assassiné Sirac Knox en sabotant les pneus lors de son arrêt au stand. Alors, de retour un petit peu avant notre accident, on a pu voir ici qu'on pouvait rajouter du sucre. Des éléments techniques de la voiture, donc on va chercher du sucre. Alors faut vraiment se balader sur la tension pour me faire voler. J'ai fini par en trouver. Donc si la ligne de stand est ici, vous avez près de l'acheter des marchands de frites et autres, et dans la boutique vous avez de quoi récupérer du sucre. Par contre il va falloir arriver à traverser toute la map, ce qui est pas... C'est moins évident avec tous les niveaux. On se fait voler, c'est pas très grave. On ne cherche pas l'assassin silencieux ici. Voilà, faut passer par le parking. Notre mille fleurs en rose. Devrait pas être loin. Voilà, c'est là. On va repartir dans l'autre sens. Je sais pas s'il y a moyen. Ouais, non, c'est mauvaise idée. Mauvaise idée, vaut mieux assurer en passant par le parking. Damn, that thing's beyond fixing.
Alors, qu'est-ce qui se passe si on met du sucre? Sierra's coming in. Everyone on your stations, now! Alors je sais pas trop ce qu'elle va faire en premier, si elle va aller voir le flamant rose, si elle va prendre son injection de vitamine. 47, the race is over. Sierra will be coming off the track anytime now. Je vais faire. Je vais tenter d'autres trucs en parallèle. Alors il y a un mec visiblement qui peut nous avoir des passes VIP, on va aller le voir, voir comment ça se passe. Moses Lee, ladies and gentlemen, is on the way to the podium. Il faut peut-être avoir entendu le l'info avant ou avoir pas ce costume. I've been looking forward to this event all year. Moses Lee is awesome. Yes, honey. But we came all this way. Can't we just have fun? Non, non, l'individu rentre pas du VIP. Ah non, faut être habillé avec un costume. Qu'est-ce qu'on a ici? Pose un mortel là. Ah, c'est marrant, c'est même pas le. Il est où la pharmacie? Putain, je suis paumé complètement là. Ah, elle est un peu plus loin, je reconnais les couleurs bleues. Faut que je garde un œil sur ma cible. Qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Elle est vénère parce qu'elle a perdu. Ah, j'ai pas le droit d'être là. Is that where we're headed now? No, they'll call me when the guy's there. Listen, I told you not to worry about it. Okay, sorry. D'accord, donc pour le coup de l'hôtel et du flamant rose, faut quand même qu'elle se fasse appeler. Ah. Ça, c'est un autre coureur. I'm telling you, Miss Knox is going to be pissed. Attention, Sierra Knox. Your vitamin and rehydration session has been delayed. Bon, déjà elle a été appelée. On est ici. Je peux passer. Alors, faut que je re-rentre à l'intérieur des stands. Je passe par là. Centre médical par ici. Ok. Ah, c'est vraiment labyrinthe, hein, ce niveau, mais je pense une fois qu'on le maîtrise bien, on va se balader là-dedans comme si de rien n'était. L'assassin silencieux en costume va être marrant, je trouve. Enfin, je pense. Ah, je suis pas le bienvenu. Là, ici, j'ai du poison mortel. Ici, j'ai de rien. D'autres seringues supplémentaires. Par contre, il y en a un qui a besoin de d'uriner. Faut que je le fasse partir et je vais essayer de pas tuer le médecin. Mr. Durant, I'm gonna have to ask you to get a move on now. I have Sierra Knox coming next for a post-race IV vitamin boost. I don't want to keep her waiting. Donc là, le médecin, s'il s'occupe de la cible, il va l'empoisonner. Par contre. Ah ouais, lui faut que je l'occupe. Our main sponsor, Ronstadt Industries, wishes you and your family a wonderful day at the races. Don't forget to visit the website today and join Sierra and the team.
Tu peux le faire. Ah, il arrive. Apprentissage de l'hygiène. Alors, j'avais pas fait gaffe, mais l'autre en fait on ne l'appelle pas. On lui dit que ça prendra du retard. Donc là, renseignement examen de Syracnox, le défi associé. Faites en sorte que le patient quitte le cabinet du médecin sans l'éliminer. Lors de notre premier run, on l'avait neutralisé méchantement dans une boîte. Tu as compris? Ok, filled it right up to the top. Thank you. We go. We'll have the results for you in a week. When you think about it, a paramedic is kind of the opposite of a hitman. Count on 10. 1, 2, 3, off. You guys must have been busy after the whole. The race is entering its final lap, 47. I don't think so, Mr. Durant. Have a nice day. Madame. Miss Knox, good to see you. If you'll just sit right here, I'll hook up the IV. Fine. Will this take long? I've got things to do here. Shouldn't take but a few moments, Miss Knox. I'm sorry about the delay. We had one of your drivers here, Mr. Durant. Well, it took some time to get the necessary sample from him. I'll make sure to talk to him about it tomorrow. What's in this thing, anyway? Alors si lors de notre premier run avec cette partie médicale c'est nous qui l'avions empoisonné, cette fois-ci, on s'est organisé pour que ce soit le médecin qui le fasse. Does it cure hangovers? Yeah, some people have used the treatment for that as well. Good. I'm planning on getting absolutely smashed later on. I'd like to reserve another dose for tomorrow. Yeah, I'll see what I can do. Right, let's have a quick look here. Everything looks fine, Miss Knox. You should start feeling the effects shortly. Thanks, Doc. Oh, and it's fine to pull back a few drinks after this, right? Yeah. Merde. Nice. Target down. Next up, Robert Knox. Sortir de là. Donc là, faire en sorte que le médecin assassine Cyranox. Alors, nouvelle variante. On va tenter cette fois-ci de faire que Syrah rencontre notre flamant rose. 47, the race is over. Sierra will be coming off the track anytime now. Donc là, c'est du côté de la ruelle que ça se passe. Un petit peu. Oula, là il y a moyen de faire cramer quelqu'un. J'ai pas trop été me balader par là. Comment il y en a que ses côtés. Qu'est-ce que ça me dit? Non, c'est pour l'examen.
marteau. Là, je sens qu'il va y avoir un truc à faire avec le fusil sniper. Là, donc, ouais. Alors, là, notre lieu de rencontre. C'est chaud ici. J'ai regardé les lieux. C'est fermé. Il y a un robinet. C'est assez marrant ce coin, je... Ça m'emmerde ce... What? Are you seeing this? Go and see what it is. Yes. Bon, déjà on a notre costume pour nous infiltrer, maintenant je pense qu'il va falloir débloquer notre ami le flamant rose. On a le lieu de la rencontre. Ce costume, on en est qu'à la moitié. Hein. C'est un truc de fou cette map au niveau des costumes. J'ai pas trop regardé, mais je pense que c'est l'une des plus. Donc lui, il a besoin de la clé. Hein. Hey, hey, can you do me a favor? Qu'est-ce que tu veux? Go check if my keys are over there. Ouais, pas de soucis. C'est comme ça qu'on va pouvoir organiser la rencontre. Tiens. Hey, yo, did you find some keys over there? Oh man, you're a real lifesaver. Thank you. On va le suivre. J'adore. Go time.
Il est un peu en stress, notre ami. Voilà ce qu'on va faire, on va aller rechercher notre costume histoire de pouvoir assister à la rencontre avec un minimum de contraintes vestimentaires. On a vu, il y en a un qui peut nous... C'est par là. Donc là, notre ami Sierra est là-haut. Notre ami flamand, je veux savoir par où il va passer. Côté là. Alors je pense qu'il faut se positionner avant la rencontre. The race is entering its final lap, 47. Got it. I'll let me know you on that. Hey, Flamingo got it. It's not about our way. You have a deep cut left. You'll be here as soon as you can. Okay, keep going. Stay calm, it's fine. Fine. Il a l'air un peu en stress, notre ami. Donc là, il y a un, voire deux exploits dans cette scène qui nous reste. Il y en a un qui consiste à sauver le flamand avant que Sierra le tue, et il y en a un autre qui est caché. Donc on va essayer certaines choses pour le débloquer, on le débloquera plus tard en cherchant petit à petit. Pas descendre encore en bas. Et elle arrive. Ça y est, la rencontre va avoir lieu. Well, the more security, the better. All right. Follow me. Relax. I'm not about to do sensitive business like this in front of an audience. Ah, impeccable, celui. Ah non, celui qui peut nous repérer vient. Any reports we may be in possession of are likely to be fake, crafted by our competitor. Well, I'm sure you'll find the reports.
concluding that someone has been funding money from... J'ai adoré la première fois quand je suis arrivé et que j'ai vu la bâche plastique au sol, j'ai trouvé ça excellent. You're taking an awful big risk here. I could just call the cops on you. You're too smart to do that, Miss Knox. The police show up, arrest me, and the papers go into evidence. It would only be a matter of days before they leak to the media. Pay the money and I'll be on my way. No. I think I'll just end you right here. What? Leave me alone for a few minutes, guys. Sure thing, Miss Knox. If you need us, just call. We're right around the corner. Who exactly do you think you're doing? You think you can come here and threaten me? I'm Sierra Knox. You're just a tiny fucking sardine in a tank full of sharks, my boy. And you're about to be eaten. You pathetic moron! Trying to blackmail me, using my father against... That is just dangerous! You can really hurt someone! L'ami des oiseaux. Donc là on a fait empêcher Cyranox d'éliminer la mascotte. Alors de retour en situation, cette fois-ci on va attendre deux compères attachés dans la cage d'ascenseur. On va voir quelles sont nos possibilités. That drug epidemic has killed us. Well, I'm sure your father would be very interested in reports concluding that someone has been funneling money from the Palace Project into Tungan Valley. Damage control. I see. You're taking an awful big risk here. I could just call the cops on you. You're too smart to do that, Miss Knox. Police show up, arrest me, and the papers go into evidence. It would only be a matter of days before they leak to the media. Pay the money and I'll be on my way. Huh. No. I think I'll just end you right here. What? Leave me alone for a few minutes, guys. Sure thing, Miss Knox. Who exactly? Mal se passer pour notre ami Flamand Rose. You come here and threaten me? I'm Sierra Knox. You're just... Sure thing, Miss Knox. If you need us, just call. We're right around the corner. Who exactly do you think you're dealing with? You think you can come here and threaten me? I'm Sierra Knox. You're just a tiny fucking sardine in a tank full of sharks, my boy. And you're about to be eaten. You pathetic moron! Trying to blackmail me, using my father against... Alors j'ai essayé hein, de le tirer du bas, mais ça n'a pas forcément marché. Enfin, ça n'a pas marché. La pauvre. What the... Oh no, you don't. Ah, ça m'a repéré. Ah, dernier mot. Ça y est, on l'a déverrouillé. Alors, j'avais essayé la même chose. Avec le costume marron, là t'es garde du corps, il n'y avait pas spécialement d'interaction qui s'est passée. J'ai décidé de reprendre un autre costume et d'essayer. Bon, j'en aurais essayé d'autres pour voir s'il y avait autre chose, mais visiblement, là, ça a fonctionné. Donc voilà pour dernier mot. Alors sinon, j'avais essayé la batte de baseball, la pelle, avec différents costumes. Mais donc visiblement, c'est d'être dans la cage d'ascenseur. Alors pas avec le costume marron de garde du corps et il faut attendre qu'elle nous repère et qu'elle nous écrase les doigts et qu'on tombe. Voilà ce qu'on va faire, on va replanifier la mission et la reprendre où on en était. Et en fait on va se mettre une bombe dans notre inventaire pour pouvoir la positionner sur la voiture de notre cible. Donc on va se mettre contrôleur de course. On va se mettre un explosif, je pense qu'on en a déverrouillé depuis le début. Proximité, non. De choc. Voilà, télécommandé. Je trouve qu'il y a beaucoup de...
explosifs comme ça, c'est pas les armes que je préfère. On va se mettre le canard. Ah voilà, on est de retour. Installer l'explosif télécommandé. Sierra's coming in. Everyone on your stations now. Ça va être fun. Hein. Tiens, un cadeau. Ah, c'est pas mon canard. Robert Knox. Assassiné Sierra Knox en faisant exploser sa voiture pendant la course. Alors la même chose mais avec un visu sur la voiture. Je crois qu'il y a un truc à faire avec, avec la seconde cible. Ça, ça sera pour une vidéo. Alors, nouvelle intrigue. On n'a plus forcément grand choix. On va faire surpression turbo. Sachant, je crois qu'on a récupéré des petites fioles. Changement d'environnement. D'accès. Enfin, on va changer de costume et on va pouvoir neutraliser les caméras. Se retrouver au niveau de la fontaine à dauphins qu'on connaît déjà. I understood from the briefing earlier that we're just supposed to grab him if something happens to it. No poking around the engine or anything like that. Yeah, Knox is a genuine technical genius. He's really protective about his projects. Prefers to fix everything. Mais ils avaient déjà entendu, hein, ces deux-là. Don't worry about grabbing him though. If anything goes awry, you'll see him down here as fast as lightning. Gotcha.
Robert Knox has a race car on display in the Expo building. The show staff is under strict instructions to summon him at any sign of malfunction. Apparently, Knox trusts no one to fix his car but him. Perhaps it's time to poke around under the hood, 47. They do say one should never mess with another man's wheels. Sur compression turbo, donc Robert Knox a une voiture de course en présentation dans le bâtiment d'exposition et l'équipe du show doit impérativement le prévenir pour tout signe de mauvais fonctionnement. Apparemment, Knox n'a confiance en aucune personne pour réparer sa voiture, mis à part lui. Peut-être est-il temps de jeter un coup d'œil sous le capot 47. On dit qu'un homme ne devrait jamais toucher à la voiture d'autrui. Un prototype de course de Kronstadt. Si quelque chose lui arrivait, Knox courait à son secours. Ça va être le moteur. Tournevis. Putain, j'ai été dans des stands. Je devais en avoir à Roisse autour de moi et j'en ai pas pris. J'ai pris des clamolettes, ça je me souviens bien. What is that stuff anyway? I think some of the teams are using it to increase cardio. Alors peut-être à l'étage, par contre je sais pas si avec mon costume je peux monter à l'étage. On va voir. Ouais, je suis pas bienvenu. Je me lève ici. Voilà. On va voir vite fait. Qu'il y a une boîte où mettre un coffre quelque part. God, not again. Je reviens pas que j'avais pas encore pris ce costume. Alors j'espère que je vais avoir l'air un peu moins suspect à bricoler le l'arrière de la caisse avec on va voir ça. Good. I dare say this should get Knox's undivided attention. Terminé. Why is the engine off? Let's just try to get Merci le propulseur des Doctan. Alors on en a récupéré dans les stands. Il y en a également ici. Alors ici il est prenable, hein, moyennant de tirer si vous l'avez pas récupéré dans les stands, en se mettant ici, en essayant de péter la vitre, mais en pétant la vitre dans sa partie arrière, il y a moyen de la récupérer cachée ici. Pas que les gens ici, ici ou ici vous voient en la prenant. C'est pas forcément évident, mais c'est faisable. C'est sûr que l'idéal, c'est d'aller dans les stands récupérer une fiole d'ailleurs. Là. J'étais pour mettre le carburant. Là, on peut voir qu'on en a saupoudré un peu partout. Notre cible est en train d'accourir. Je pense qu'elle va avoir une belle surprise. Bon, en tout cas, on lui réserve une belle surprise. I swear to God, if someone's been tampering with the car, heads will roll. I need you to get in the car. Don't touch anything until I tell you. Ok, je monte dans la voiture. Ce qui est un exploit en soi. It shouldn't behave like this. Try the engine, Smith. All right, try it now. This should work. Ah, here we go. Just a loose wire back there. Just reattach it. Good. Hit it, Smith. Oh, oh no! Both
targets down. Well done. Head for an exit, and we'll speak again soon. Sympa. I need you to keep your head down if you want to stay alive. Attention, il y a des gens qui peuvent nous suspecter. On a fait moteur à combustion et cisterne. Allez, il est temps de durer cette nouvelle mission, enfin, ce nouveau run plutôt. Alors il y a quelque chose avec une plaque d'égout, j'en ai repéré plusieurs qui n'ont pas l'air d'avoir d'interaction, mais surtout de toute façon il me manquait un pied de biche et il se trouve que un pied de biche on en a trouvé. Juste maintenant trouver la plaque qui va bien avec. On a le bateau. Pensez que lui, je lui ai pas piqué son costume encore. Des sorties maintenant. Ici, la plaque d'égout. En tout cas, c'est une plaque d'égout, mais je sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, non. C'est parti. Je tue encore une fois ce let's play en beauté. Allez, moisson de défi. Nouvelle intrigue réussie, une machine parfaite.
Alors forcément, ma vidéo globale sera beaucoup plus longue, mais là déjà, on réussit l'assassin silencieux en seulement, entre guillemets, 15 minutes.